Festidrag.tv vous est présenté par les VR Saint-Nicolas et Choix Radio X Pop 100.9. Bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou! Comment ça va? Hey, ça va super bien. Moi, tu sais que c'est le week-end de ma fête, fait que là, je me peux plus. Hey, c'est vrai, là. Hey, t'arrives... Arrête! On ne dit pas mon âge à la télévision, c'est non. OK, je t'avais promis, je le dirais pas, je le dirais pas. OK! J'ai pas 30 ans! Non! Non, j'ai eu 29 ans. Ah, donc t'es dans ta 30e année. Ah, tu connais. J'ai mal. Cette semaine à l'émission, on va vous amener du côté de Saint-Eustache. Ouais, c'était, on s'en va pour la 5e tranche de cette série. Sérieusement, là, c'est vraiment hot. Le championnat est serré, les gars, là, c'est des roosters. Ensuite de ça, les finales à Pont-Rouge. Ouais. Première Pont-Rouge de cette année. Sérieux, ça a été tout un show. Vraiment. Et aussi, bien sûr, d'autres images du GP3R, ouais. La NASCAR Pinty's. Un gros week-end qui nous fait vraiment triper à chacun. Un bon show pour vous encore cette semaine. Alors, la gang, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Faites du bruit! Yeah. Bonne émission! Oui!
Andrew Ranger, 2 secondes après l'arrivée. On s'entend, toute une course, fini deuxième, manque de break. T'as tout donné à la relance. Écoute, bien content, pareil. C'est sûr qu'on veut la victoire. J'étais ici pour gagner. Des fois, la mécanique, tu sais pas que on contrôle pas ça. La pédale à vrai a commencé une molle vers la fin. Et puis, dernier restart. Genre, peut-être j'ai quelque chose pour Alex. Et puis, il a décollé vraiment vite, plus vite que moi. Moi, j'ai spiné un peu. Et puis, j'essaie de l'attaquer, La pédale, elle a touché au fond à la fin. C'est pas compliqué. Mais écoute, on a fini quand même deuxième, là, quand même super bon. Loutek, Miller, Mopark sont avec moi en fin de semaine. C'était une fin de semaine formidable. Inoxane, tout le monde. Fait qu'un gros merci. Parti 8e cette année, fini 6e. On s'entend le jour et la nuit versus l'an dernier. Ouais, exactement. Tu sais, on a l'impression d'avoir la bonne vitesse à la fin. C'était content. On était bon toute la course. Peut-être poussé un petit peu trop durant les parties, puisque la voiture était survireuse. Mais regarde, timing était parfait. On a réussi à finir 6. On n'a pas réussi à se battre de la baie à la fin, mais ouais, regarde, ça a voté, là. Ça a voté clean. En compagnie de LP Dumoulin. À quelques pouces de la troisième place, troisième, quatrième place, ça doit être un peu frustrant pareil, d'être toujours proche du Winner Circle comme ça, surtout chez vous à Trois-Rivières. Ben écoute, c'est sûr que ça l'est, mais en même temps, toute l'équipe WeatherTech Bellemare-Saint-Mavrac a travaillé très fort depuis 2 semaines justement pour améliorer la voiture. On cherche tout le temps des dixièmes de seconde, hein, puis c'est pas facile. Écoute, on veut tout le temps gagner ici à Trois-Rivières devant nos fans, notre famille, nos amis, nos partenaires d'affaires. Mais là, en ce moment, ben, c'est ce qui s'est passé. C'est quand même très bon. Oui. On continue, on revient plus fort l'année prochaine. Samedi 16 septembre à l'Autodrome Chaudière, c'est la grande finale NASCAR Late Model Freightliner Québec Western Star Levy pour un 75 tours rempli d'action. Les autres séries régionales seront également en piste. Une soirée présentée par Habitation Danny Lagacé. Soyez dit samedi 16 septembre à Vallée-Jonction. Salut la gang, Martin d'Anjou en direct de VR Saint-Nicolas, le dealer numéro 1 au Québec pour les roulottes et les VR. Et cette semaine, on parle usagé dans le VR, que ce soit à gaz ou diesel, on a de tout pour tous les goûts. Berkshire, Presidio, Charleston, encore, Fleetwood, Imperial, Mirada, Holiday Rambler, Embassy, Révolution. On a de tout pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses. Et avec votre nouvel achat, n'oubliez pas le service après-vente incroyable chez VR Saint-Nicolas. Venez rencontrer un de nos spécialistes conseillers chez VR Saint-Nicolas. Les pièces, on a de tout pour tous les goûts. Vous voulez rajouter un satellite, vous voulez rajouter des batteries sur votre VR, on a de tout. Et vous allez voir, vous allez repartir heureux avec votre nouvel achat. VR Saint-Nicolas, le numéro 1 au Québec pour le service, la vente, les conseils. À Québec, c'est simple. Il y a 2 endroits pour acheter un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. On est équipé pour vous donner le meilleur service avec plus de 30 millions d'inventaires. Jusqu'à 25 % de rabais sur les caravanes et les rames sélectionnés. Yahoo! Salut, c'est Martin d'Anjou. Je vous réfère la destination pour votre véhicule, qu'il soit personnel ou commercial, c'est Letourneau Service de pneus et mécanique. Letourneau Service de pneus et mécanique, une famille au service de la vôtre depuis 20 ans. Dimanche 24 septembre, c'est l'enfer à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Plus de 100 voitures sur Laval pour un enduro de 250 tours. Un spectacle pour toute la famille en après-midi. L'enfer 250 à l'Autodrome Chaudière, dimanche le 24 septembre. Règlements et détails sur autodromechaudière.com. Le Rallye Run 1000 est une célébration de la liberté, de la vitesse, de la passion et des belles bagnoles. 5 villes, une piste de course, des voitures sport de luxe et des passionnés. Le périple a débuté au Halte Brossard pour ensuite se diriger vers le Napierville Dragway pour des essais privés. C'est maintenant temps de prendre la route direction Boston, Massachusetts. Voici quelques-unes des équipes participantes. Salut, moi c'est Félix Côté Junior. Mon nom est Pascal Piperneau. Nous sommes l'équipe... Équipe Jaguar Land Rover Brossard. On est Team Pinsen. Nous, on est l'équipe des Bat Sweden. On est des Polish. Moi c'est Georges. Moi c'est Thomas. Catherine. Et on est les Bavaroises. Stéphane. Cédric. Moi c'est Yann. On est l'équipe des Gladiateurs. All right, moi c'est Patrick. Moi c'est Bruce. On est l'équipe Laurel et Hardy. You caused me trouble. Through the night.
like a fool with your dirty mind. I thought you had controlled me, thought that I was blind. But time could tell what you became. This quiet hell and this wall of shame. Après une belle nuit paisible à l'hôtel W de Boston, nos équipes reprennent la route direction Atlantic City. À voir la semaine prochaine. La chronique Extreme Garage vous est présentée par Framco. Alors, je l'ai dit, cette année, on allait faire une beauté à mon Dodge Ram. Pas parce qu'il est pas beau, mais c'est parce que je voulais l'avoir encore plus, comme tu disais, si bien jazzé, plus custom. Et parlant de custom, ici, on le voit à l'arrière, on parle d'un kit de 4 pouces parce que je veux faire monter la suspension de 4 pouces. Et ça se monte pas juste comme ça avec des chocs en bon québécois, mais ça prend vraiment un assemblage et c'est oui. Ce qu'on a ici à l'arrière. Exactement. Dans le fond, c'est nous autres, on fait affaire avec la compagnie BDS, BDS Suspension, qui sont des kits vraiment haut de gamme au niveau de... d'Amérique du Nord au niveau des compagnies de suspension. Yes. C'est vraiment des kits complets. On change cross member, les knuckles, les amortisseurs en arrière. Vu que toi, je suis un Dodge Ram, on change les coil springs en arrière, on les rallonge, on les met beaucoup plus raides aussi. Ça va t'aider aussi à charger ton trailer ou ce que tu as besoin de charger. Dans ces kits-là, c'est vraiment intéressant au niveau des angles de driving shaft, au niveau des angles des cardans. On en remet tout comme d'origine. C'est vraiment ça qui est plaisant avec ces kits-là. Et là, on commence maintenant. On s'en va dans le garage. On monte ça de 4 pouces. Maintenant, pour vous, à Extreme Garage. Never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Samedi 16 septembre à l'Autodrome Chaudière, c'est la grande finale NASCAR Late Model Fright dans le Québec Western Star Levy pour un 75 tours rempli d'action. Les autres séries régionales seront également en piste. Une soirée présentée par Habitation Daniel Agacé. Soyez dit samedi 16 septembre à Vallée-Jonction. Encore une fois cette semaine, Carbo Auto Électrique. Et le mot électrique est important chez Carbo. Qu'est-ce que c'est? Bien, écoute, en 2017, Martin, l'auto électrique est très présente et très actuelle, mais l'électricité d'automobile, c'est là depuis toujours et ça a besoin d'entretien. Donc, on est ici, nous, pour faire l'entretien complet du système électrique de l'auto et surtout des réparations parce qu'on sait que Dame Nature n'est pas très gentille avec les automobiles. C'est sûr et certain que la corrosion s'installe facilement. Donc, nous, c'est pas de problème avec ça. L'électricité, c'est notre spécialité. Système électrique et surtout ta spécialité, l'air climatisé. Oui, l'air climatisé qui est très sollicité par période estivale. Donc, les gens adorent être en confort dans le véhicule. C'est sûr et certain, dès qu'on a apparition d'un problème, on se dirige vers l'atelier. Et c'est à ce moment-là que j'entre en jeu pour réparer l'air climatisé, justement. C'est une de mes spécialités. Vous avez un problème avec votre air climatisé, votre système électrique de votre voiture, le spécialiste à Québec, rue de la Faune. À Québec, c'est Carbo Auto Électrique. Ici Andrew Ranger, je suis à Trois-Rivières pour le GP3R. Je suis très heureux de vous annoncer mon nouveau partenariat avec les produits Silver Wax pour entretenir vos autos, motos, bateaux et VR. C'est Silver Wax.
Silver Wax, la marque des champions. Depuis plus de 30 ans, Centre Mécano à Québec est à votre service. L'été est arrivé, soyez bien chaussés. Pneus utilitaires ou de course, on a tout ce qu'il vous faut. Membre Napa AutoCare, Centre Mécano vous offre une garantie nationale sur les produits installés. Visitez centremécano.com. La série de drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et Posimap vous présente les meilleurs drifters du pays en action le samedi 23 septembre au circuit Sainte-Croix. La toute dernière course à y être présentée. Samedi 23 septembre, émotion forte et action garantie. Pour plus d'infos, visitez driftdmcc.com. On s'est ennuyé en direct de Saint-Eustache pour la cinquième manche de la série ACT. C'est toujours Patrick Laperle qui mène. Mais attention, il se fait titiller par Jonathan Bouvrette, Alex Labbé, Donald Teach et Danny Trépanier. Il y en a d'autres qui s'ajoutent ce soir. Steve Côté est là pour sa première course, de même que deux Américains du New Hampshire. On a hâte de voir qui va rouler en avant. Bonne course tout le monde! Tu te portes bien partout dans le NASCAR Late Model de la Vallée-Jonction. Série Sportsman ici à Saint-Eustache. Ce soir, première course en ACT. C'est quoi la raison de ça, vu que tu mènes déjà deux championnats en même temps? Ben, en fait, on pense venir dans la série l'année prochaine. Faut que c'est plus pour faire des tests, essayer la série. J'avais un nouveau moteur justement légal ACT que je voulais venir essayer ici. On n'a pas eu beaucoup de temps. On a eu le moteur hier à midi. Fait qu'on a manqué de temps un petit peu pour faire le setup, mais c'est pas si pire que ça. Les temps étaient bons. La qualification, on a réussi à remonter top 4 par cette dernière. On est très satisfaits de notre journée. C'est notre première course avec cette voiture-là dans cette série-là. On n'a pas eu beaucoup de pratique. Fait que je dirais un top 5 pour l'ACT, ça serait bien. Puis pour le Sportsman, ça prend absolument une victoire. Steve, c'est un privilège de te voir aller sur n'importe quel ovale. T'es vraiment extraordinaire. Fais juste me dire pourquoi tout le monde t'appelle le California Kid. Ah, parce que j'ai couru en Californie un an dans un programme de développement. Fait que ça vient de là. Voilà un qui est tout sourire. Deuxième au calife, Simon Roussin, numéro 2. Simon, félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chez vous, la vitesse, c'est un enfant de famille. Simon, qui était là-dedans? Mon père a couru pendant des années. Fait que moi, j'ai suivi par la suite. Puis mon oncle est dans l'équipe, mon cousin, mon frère. Fait que nous autres, c'est une histoire de famille depuis toujours. C'est beau, maman, il va avoir de quoi surveiller à soir. Bonne course. Merci beaucoup, hein. Merci à toi. Gentil. Eric, Lucky Seven, gagnant!
l'avais dit plus tôt en saison que tu étais là pour mêler les cartes, mais à soir, tu as remporté la mise. À soir, ben, je vais avoir le château à la fin de l'année. Fait que oui, je suis là pour mêler les cartes. Là, on vient de prendre l'avance au championnat. C'est serré, très serré. Ça va se tisser vraiment à Montmagny dans deux semaines, mais on vient de prendre quand même une pas pire option sur le championnat. Félicitations, c'était toute qu'une course. Merci beaucoup. Samedi 16 septembre à l'Autodrome Chaudière, c'est la grande finale NASCAR Late Model Freightliner Québec Western Star Levy pour un 75 tours rempli d'action. Les autres séries régionales seront également en piste. Une soirée présentée par Habitation Daniel Agacé. Soyez dit samedi 16 septembre à Vallée-Jonction. Les mardis soirs au Cécile et Ramon et Night and Cruise, Marie Saint-Lô is in the house. Elle prend le contrôle pour vous les boys. Moto ou auto, c'est pas compliqué. À tous les mardis de août et septembre, Marie devient le juge. 5 finalistes par mardi soir, 10 semaines. Et au bout des 10 semaines, les 50 finalistes se ramassent ici directement dans le stationnement pour savoir quel est le coup de cœur 2017 du Night and Cruise. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une maudite bonne idée, puis c'est moi qui décide en plus. En plus, c'est toi, un juge, Marie Saint-Lô, 5 finalistes par semaine pendant 10 semaines. Et dernière de septembre, Marie fait le coup de cœur 2017 et a gagné 5 000 $ en prix. On a des prix de Silver Wax, Castrol, Les Tourneaux, tout le monde, tous nos partners sont là. Et en plus, vous vous méritez une présence au Salon de l'Autosport 2018. Qu'est-ce que t'en penses? Vroom! Qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Tous les mardis au Night Cruise du Cécile et Ramon. Tiens-toi! Louer ou acheter l'expérience Aztec. Aztec, la destination branchée en Floride. Vivre l'expérience Aztec, c'est vivre une expérience plein air autrement. Le luxe, le bon goût et surtout le chaud soleil de la Floride. En famille, entre amis ou en amoureux, l'hiver, c'est Aztec. Propriétaire de classe A seulement. Au calendrier, le 9 septembre à l'Autodrome Saint-Eustache, le NASCAR Pinty's. Le 9 septembre, c'est la drift DMCC pour la 5e round à l'Autodrome Chaudière. Le 16 septembre, toujours à l'Autodrome Chaudière, c'est le NASCAR Late Model. Le 23 septembre, c'est la grande finale DMCC au circuit de Sainte-Croix. Les 23 et 24 septembre, c'est le Bracket Super Tour pour la finale nationale à Icar. Le 1er octobre à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est l'Enduro 200. Et le 9 octobre à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est l'Enduro 250. Sur les traces de Mario Guérin, vous est présenté par le groupe EFC. Mario Guérin, on se retrouve pour parler de ce gros week-end de course que tu as eu à Trois-Rivières. 3 courses, 3 victoires. J'imagine que tu es fier en pêcher, là. Ben oui. On égalise un record de Daryl O'Young. Daryl O'Young, lui, avait gagné dans 2 séries différentes. Puis moi, je suis le seul qui a fait 3 victoires dans une seule série au Grand Prix de Trois-Rivières dans l'histoire. Là, en plus, il y a une de tes courses que tu as eu 1,5 tour d'avance sur tout le monde. Je veux dire, on n'a jamais vu ça au Grand Prix, là. Bien, l'auto était parfaite. J'ai jamais eu une bonne voiture bien préparée comme ça par mon chef mécanicien, Léo Guillonné, puis automobile, etc., puis mon mécano, Alex Demarquis. L'auto était parfaite. J'ai géré ma course exactement comme mon plan. J'ai pas touché à personne parce que quand il y a plusieurs types de voitures dans une série comme ça, il faut s'assurer de pas briser les courses des autres aussi. Donc, quand on dépasse beaucoup comme ça, il faut être prudent. Puis la seule petite affaire de l'accrochage que j'ai eu, écoute, c'est un peu bizarre. Écoute, c'était avant le vert. C'est ça que j'allais dire avec ta Gliani, vraiment avant le vert, ça avait pas sa place, mais c'était particulier quand même. Bien, je t'avoue, j'ai trouvé ça bizarre parce que, écoute, moi, je suis un amateur. C'est moi qui avais la pôle, j'étais à droite. Puis j'ai pas trop compris. Il essayait de m'attirer vers un faux départ. Puis là, tout à coup, avant le vert, il m'a donné un coup dans la porte. Dans ma porte de gauche ici. Je suis dur à intimider en piste parce que quand je me fais une idée, ben je respecte mes plans de match. Je l'ai laissé passer dans le 1. Puis après ça, j'ai essayé de le dépasser dans la ligne droite. Puis il m'a bloqué. Mais après ça, je l'ai passé assez rapidement. On vous emmène voir les finales dans toutes les catégories.
Hey, sérieux, Danny, tu reviens de loin. On le voit, le télésino, on remonte les images à l'instant pendant qu'on jase. T'as scrappé ton char, c'est le cas de dire, ouais. Les deux pas, pas une, deux. Tu le sais, d'habitude, tu fais pas les choses à moitié. Tu l'as fait de vrai. Et là, tu reviens à la dernière minute à Pont-Rouge avec deux belles portes. Sur le grand regard, c'était ouais. De toute beauté et tu gagnes ouais. La première place. Comment on se sent? Ah, je suis comme sur un nuage, ça pourrait pas être mieux comme journée. Vrai, puis, toute ma famille est là, ma soeur, beau-frère, les amis. Ils m'ont fait un gâteau d'Orlès d'Annick Dastou avec un arbre de Noël. Fait que c'est une journée parfaite mais pour c'est moi. Quoi, c'est ta fête? Ouais, c'était ma fête du 18 juillet, puis ils étaient pas là, fait qu'ils ont décidé de fêter ça aujourd'hui. 38 ans. 38 ans, vous le voyez, hein? Même quand on est vieux, on peut s'énerver encore légalement avec notre chat. J'ai l'air de 28, pardon. Ouais, ouais, c'est okay. Vrai, c'est vrai. Parce qu'on à cette heure-là, quand il fait noir, là. Avec bien des rideaux. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pour vous, en action, Danick Dastou, je pense qu'il faut le féliciter. C'est écœurant. La gang, fait du bruit! Et déjà, c'est ainsi que se conclut l'émission. Beaucoup d'action. Sérieusement, il y en a qui ont des émissions, on dirait que c'est un marathon, mais nous autres, c'est un sprint. Il ouais, faudrait faire des shows d'une heure, j'arrête pas de le répéter, ah, mais Martin, c'est, là... C'est une demi-heure. Fait que, garde, réécoutez-le, puis souvent, c'est tout. Puis Martin, en plus, la semaine prochaine, on va faire le tour de l'Est du Canada, rien ouais. De moins. On commence en Nouvelle-Écosse. Oui, on commence ça dans les Maritimes, en Nouvelle-Écosse. Fait que c'est la NASCAR Pentes qui est là, c'est une fois par année. Dans l'Est, c'est vraiment un gros show. Et on continue aussi du côté de Montmagny pour un autre tranche de la série ACT. Et bien sûr, plus encore du drag et tout ce que vous voulez. Brûler du gaz, c'est pas compliqué une fois par semaine, c'est avec nous que ça se passe. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah. Salut!